Bienvenue à tous pour cette quatrième partie sur Resident Evil. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé juste avant la deuxième partie du serpent. Alors, j'ai triché un tout petit peu, juste avant de démarrer ce stream. J'ai commencé à ranger. Je me suis dit que mon coffre était un peu en bordel, comme j'ai lancé le jeu pour pas se taper. L'intro, etc., le chargement, gagner un peu de temps. Et j'ai décidé finalement de ranger mon coffre. J'ai fait mes petits préparatifs pour notre ami le serpent. Alors je me rappelle qu'on avait laissé Hunter ici. Voilà. Le fumer sur le retour. On meurt pas, bien sûr. Et normalement, ici, il n'y avait rien. Allez, on se prépare. On a deux munitions. Faudra vite changer. C'est important. Donc voilà, normalement il nous reste ça et la salle qui était sur l'est, sur l'aile opposée, qui est peut-être l'est, je ne sais pas, j'ai pas vérifié sur le plan. Et ici, il y a notre ami le serpent. Alors je vais essayer de me faire des bottes avec. On va voir si je suis chaud. Dire hop hop hop, et forcément il m'a touché. Et en fait il est déjà mort. Donc j'avoue que la dernière fois je vous ai laissé un petit suspense pour pas grand chose. Et en plus on est bien. On est un peu dans le jaune, mais j'ai envie de dire ça va. Alors, je vais charger ça, parce que pour les Hunters, les balles acides sont pas mal, et d'après ce que j'ai vu, il me reste quand même des cartouches explosives, des cartouches flammes. Donc, je vais économiser un peu de fusil à pompe, peut-être pour traverser. Et on s'en sort plutôt pas mal au final. On a pris un petit coup. Rien de méchant, hein. Alors, il y a un trou. Et notre serpent a disparu, on pourra pas se faire des bottes. Dommage. Jill, Même pas un have you sac à found main. anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? Non mais le mec quoi, il m'a laissé en galère ici, déjà il m'envoie moi. Sérieux quoi. Le goujat. On envoie la meuf directement à l'abattoir. Une tombe. Non, j'ai pas envie. J'attends qu'ils reviennent. En plus, j'aimerais aller de l'autre côté. Hey, are you there, Jill? Grab the rope.
I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill, yeah, Pete. I found something. Et donc, nous avons le code d'accès pour la porte à Digicode. Thank you. I'll take this then. Ouais, c'est ça, bouge, ouais. Franchement, toujours faire le sale boulot. Et bute-moi le Hunters là, dehors, tant que tu y es. Eh oui, j'aurais pu passer donc par la tombe, je serais directement descendu en bas pour remonter après. Mais j'ai envie de nettoyer un peu. Surtout que c'est infesté de Hunters. Alors je vais passer par en haut. Même si c'est peut-être aussi dangereux au final. Mais allez, avec un petit bazook, on peut se la faire. T'as aimé, hein? Hein, mon salaud? Alors, il nous reste 12. Donc, on a quoi? Se faire 12 Hunters. Après, on repartira au fusil à pompe. Alors, ça, c'est super dangereux, pas avoir de réflexe. À danger direct. Sérieux, ça rigole pas les Hunters. Le problème, c'est qu'il me reste une double verte bleue, je crois. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'attend dans le coin? Je ne sais plus. Pas ici. Alors ici, il faut essayer de viser juste. Sinon, c'est la mort assurée. Alors là, il doit rien avoir. Comme j'ai dit dans une ancienne partie, c'est, je pense que c'est l'endroit quand même le plus sûr. En tout cas, dans cette version d'origine. Voilà, toi, reste bien tranquille. Il est où le deuxième? Le deuxième est de l'autre côté, il m'a pas vu. Où es-tu, la porte? Alors là, c'est pareil, c'est infesté de zombies. Je me suis raté. Hashtag gâcheur de balles. Il m'en reste 7. Bon, au cas où j'ai le fusil à pompe. Il doit rester une poignée en bas. Il n'y a rien. C'est déjà ça. On a le digicode. Et voilà donc la dernière salle. Ça nous fait une place de plus. Un mot. Alors attention, là, je vais pas le lire à haute voix parce que c'est top secret. Bon les mecs, c'est mission impossible, on a une semaine pour remplir les missions suivantes.
Et voilà, là on voit à quel point Umbrella c'est une corporation de grosses putes. Hein, parce que déjà on nous dit qu'on a tout fait pour nous piéger ici. Qu'en plus il faut tout détruire, pas laisser de témoins, pas de preuves, rien, même les scientifiques. On veut vraiment nous la mettre à l'envers. Et donc on est arrivé en plein guet-apens. Mais pour le moment, je pense qu'on s'en sort très bien. Nous avons le cerf ici, je crois que le joyau est ici, c'est pas le médaillon. Donc le médaillon loup doit être dans les égouts, je pense. Oh, mais je ne vois rien. Oh, aidez-moi. S'il vous plaît, lumière. Oh, un objet brillant. Que cela peut-il bien être? Oui, on va lui extraire les yeux. On est des bouchers. La pierre rouge, pour obtenir le magnum. Ah, je me sens mieux. Désolé, je suis claustrophobe. Et je respire à nouveau. Alors, on va aller en bas, je pense, d'abord. On tapera la porte digicode derrière. Comme ça, je pourrais peut-être faire un peu de ménage. Les escaliers de l'angoisse. Il m'avait capté. Il reste plus que 5 munitions. Voilà, bien en traître. Vas-y. Crie bien ta souffrance, moi je dis. On y va tranquille. Alors je crois qu'ici ça sent la pute planquée. Il me semble. Je me rappelais bien. Ah, il a fini la gueule dans le mur. Mais bon, je pense que maintenant, le manoir est safe. On a fait le plus gros. Alors, on va mettre la pierre. Il n'y a plus rien ici. Ah ouais, 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 le Colt Python. Là, on va pouvoir se la jouer à la Dirty Harry. Avec un gun comme ça, tu leur fais un trou dans le buffet. Allez, on va reprendre le fusil à pompe. Je pense que on est en sécurité pour le moment. On va passer faire un peu de rangement. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va se séparer?
I think. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Le bazooka, j'hésite à le garder. Peut-être qu'il y aura encore des hunters sur ma route. Quoi qu'au pire. Bonne question. Ouais. On va faire de la place pour ramasser le plus possible. On verra sur le retour. Alors j'hésite, on est à quoi? 16 minutes, est-ce que je sauvegarde avant de me faire la sortie du manoir? Ouais, je pense qu'on va se faire une petite sauvegarde des familles. La jouer safe. Alors, où est-ce qu'ils sont mes rubans? De toute façon, on a pas mal de rubans. Effacer celle-ci. Je pense que c'est exactement la même. Voilà, ça fait raccord. Et on va partir à la recherche de notre fameuse batterie. On va nous ouvrir la voie pour les égouts. Il me semble que c'est ici qu'on doit la trouver, j'imagine. Vu qu'on n'a pas encore eu. Alors, c'était ici. C'est bien ça. Un clavier à touche numérique. Merci Barry. Alors je sais plus par contre si c'est plus long de passer par la tombe par ici. Et là j'ai envie de dire ça évite d'oublier le piton. Fous-moi la paix. Alors lui je le trouve pas très catholique. Dommage que j'ai pas un gun sur moi. Oh il était pas catholique. Mais bon. Je savais qu'il avait quelque chose à se reprocher. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, c'est un four au coin. Il visait un peu à côté. Allez, toujours recharger. Les bases. Ça évite les effets de surprise. C'est vrai que j'étais parti sans prendre d'herbe. Bah voilà, ça va me servir. C'est jamais. Sécurisation. On va mettre une petite bleue, ça m'en fera deux. Ah non, j'en ai utilisé une, je crois. Donc bah voilà, j'en ai une de sécurité, parce que je pense que j'ai plus de plantes bleues. Alors je vais éviter de l'utiliser, celle-ci. Sait-on jamais. Allez, viens mon petit gars. Là. Bah voilà. Oh, mais même 12. Ça ira avec notre collection. Et il y a notre petite batterie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Cartouche explosive. Bah, je crois que j'en ai une belle réserve. Je pense que je peux même faire sauter la baraque avec tout ce que j'ai. La batterie, on se demande pourquoi ils l'ont mise ici. Voilà, au cas où t'auras oublié, ils te le disent, qu'on peut utiliser pour actionner l'ascenseur dans la cour.
Eh ben moi je dis ça le fait. Bah bien sûr, on est venu pour ça, je pense. Au moins qu'il y ait d'autres trucs Uber qui traînent dans le coin. Voilà toi tout à l'heure. Viens, petit. Mais non, viens ici. Relou. Ça, je le sens pas en plus, le changement de caméra. Il m'a vu, il m'a pas vu. Voilà, bah celle-là tu l'as vu. Tu l'as pas volé. Sérieux. Elle avait pas tant faim que ça. Faire gaffe, hein, pas faire le kéké. Oh, encore une plante, c'est bien ça. Prendre. Encore un poteau. Économiser des balles. Hein. Alors on va ici. Un scientifique. Eh bah toi aussi tu l'as pas volé, c'est toi qui as foutu la merde. Là, il y a une sorte de petit bureau, je sais pas quoi là. Bah, un bureau, voilà. Le passe-partout, oui. Des balles de magnum, c'est bon, ça se prend. Faire une petite réserve. Putain, la petite saloperie. Gardez deux secondes si on n'a pas un autre planqué dans le coin. Non, ça fait le tour, je pense. Il a voulu me baiser. Coupure de journaux. Son pied gauche sans eux. Mais bien sûr, je vais tenter le coup. Et voilà où ça nous mène, toutes ces conneries. Des monstres grotesques. Ils sont pas si grotesques que ça. Ah, c'est bizarre, c'était. Ça se gère. Oh, une porte cachée. Alors, qu'avons-nous là? Il me reste quoi en place? Je suis un peu léger. Non, je crois qu'il m'en reste 12 ou 11, j'ai un doute. Je vais pas m'encombrer. Ça aussi, je pense, hein, je vais pas m'encombrer, même si j'aime bien les munitions. Le problème, c'est que c'est un superbe item, je pourrais pas le prendre. Oh, un heliport.
Bof, rien d'intéressant dans le coin. Mais on a aperçu une issue de secours. J'ai envie de dire le début de la fin. Alors, nouvelle salle d'étagère. Personne. Alors, on a un bouton. Statue. Alors le spot s'allume, on voit que la dalle est différente, donc je pense qu'il faut pousser la statue dessus. Classique. Pas trop j'imagine. Et on la repoussera de l'autre côté. Ah non, il est sérieux, je l'ai coincé. Je l'ai trop poussé. Ah ouais, il y avait un petit mur. Putain, j'espère qu'en ressortant, ça le fait. Et sinon, c'est la base. Comme j'avais dit pour les caisses. Fallait décaler pour aller dans l'aquarium, là. Bizarre. Où il y avait les requins. Non, tourne pas, qu'est-ce que tu me fais? Allez, dis-moi que t'as remis la statue. Merci bien. Top. Devrait être bon cette fois-ci. Vas-y, c'est sa face de Romain là. Il veut plus faire sa romaine. Pareil. Pour faire chier. Il m'avait pas éteint le spot. Y a-t-on un gagné ici? Le disque MO. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et on peut se casser. Là, c'était une plante. Je crois qu'on peut repartir par l'ascenseur. Elles ont déjà fait le ménage. Ouais. Plus une tache de sang comme d'hab. Alors, il n'y a rien ici. Je crois qu'on arrive ici quand on prend la tombe. Peut-être. Et si on calcule, on est à rez-de-chaussée. Donc oui, je pense que ça doit être ça. Et donc, bah, on peut se casser. Ouais, il y a la salle de l'autre côté pour aller poser et prendre ce qu'on a besoin. Et par ici, la route est sûre, à part lui. Mais il m'a pas vu. Voilà, il est docile. On va peut-être s'en tirer en vie. Il reviendra dans le 2. Ou pas.
Ça dépendra des producteurs, etc. quoi. Faut la routine. La dure loi dans ce milieu. Le rôle de figurant, il n'a pas pu passer en tant que rôle majeur. Alors, je crois qu'il fallait prendre l'autre porte. En plus, il me semble qu'il y en a un d'Hunters dans la double salle. Mais je ne sais pas si avec Dee il est lié. Je suis sûr qu'avec Chris on le trouve. Alors, on garde la batterie. On va poser ça. Faudra que je pense un jour. Oh, mais il m'en reste pas mal, c'est bien. 48, on sait jamais si ça peut servir. Et l'heure. On a pas mal d'herbes. Ça, on va le poser. Ça aussi. Ça aussi. Est-ce qu'on prend? Non, on va prendre la manivelle à la place, je pense. Je sais que je la joue un peu dangereusement, mais... Est-ce qu'elle est ma manivelle? Là, voilà. Alors, on a la batterie, la manivelle. Pam, 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 on a une arme. Bon, normalement, j'avais laissé plein de plantes dehors, il me semble. Ça devrait le faire. Normalement, le couloir à l'extérieur, je l'avais évité. Il y en avait deux. Donc, si je cherche pas la merde, il y en a peut-être un dans le corridor. Et peut-être à l'extérieur. Bonne question. Mais normalement, ici, c'est safe. Ici, peut-être moins. Jeu de l'angoisse. Je sens trop pas ici. Alors le mec qui m'attend. Non mais, laisse-moi tirer. Relou. J'ai pas pris d'herbe en plus. Voilà, crie bien ta mère. Sérieux quoi. Bon, ça va, il m'a mis que dans le jaune, encore dans bien. On va recharger. Sérieux quoi, le petit enfoiré. Vous voulez couper ma tête. C'est bon, dans la dernière vidéo, j'ai fait genre, parce que je voulais montrer la mort, mais c'est bon là. Je trouvais que ça faisait classe. Oh, mais c'est très bien ça. Pour en utiliser une, faire un mélange. J'ai bien géré l'affaire. Bien sûr que je veux. Et au pire, je crois qu'il en reste près de la remise. Il me semble. Où est-ce que j'avais laissé? Ça, on va l'utiliser. Ouais, on se met bien. Bon, j'ai même laissé une bleue ici au cas où. Je crois pas qu'on va repasser une dernière fois. Mais au cas où, j'ai une double verte bleue en réserve. Allez, on trace.
Bon, au moins, c'est pas des hunters qui tombent des arbres. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Alors, je sais plus s'il y a quelque chose ici. Il y avait deux chiens à l'époque. Ça a l'air sûr. Voilà, MacGyver, il a tout réparé. On avait déjà pris le plan. Dernier petit passage ici. Hop, les plis et hop, la plat. On va fermer le barrage. La petite manivelle. Et on peut filer aux égouts. Voilà, donc on en a terminé avec le passage manoir. Là, on file vraiment dans la dernière ligne droite. Il reste les égouts, le laboratoire caché. Et sur le bouton. Non, pas envie. Il lui arrive. Il faut vraiment être placé à un endroit précis, quoi ce bordel. Il y a une marque à terre. Pire que le cinéma, tout ça. Oh, j'aime pas les égouts. Sérieusement, j'aime pas. Il n'y a rien. Oh, Jill, what good timing. A moment ago, I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Sérieux, le mec, je viens juste d'enlever l'eau. Comment il est passé? Il y avait une sortie de secours et une entrée de secours. Et le mec, il me l'a pas dit. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Bah oui, couvre-moi. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Bonne question. Ouais. Oh, yes, vas-y. Please. I'm a little nervous. I understand. It may be more dangerous if you come behind me. Be careful. Le mec il met la pression quoi. Ça peut être encore plus dangereux. Barry, ça tire à tout va. Que se passe-t-il? That was too close. Let's go together. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Oh, il y a un truc là-bas. Il lui a mis un jump shot. Franchement, plein dans sa face de rage, j'ai envie de dire. Un spray.
On a des balles. Je crois qu'il y a du bazooka là à côté. Moi je pars pas sans ça. Non mais tu me gâches la vue mec, je vois rien. Je te rappelle que c'est moi la star. Tu es un second rôle. Un transformateur, il ne semble pas fonctionner. Alors, où va-t-on? Par là, je crois. Trop, je le sens pas. Une porte. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Une autre porte. Ah, il est en train de... inspecter le mur. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Enrico! Le mec qui a fait ça, c'est un pro, moi je vous dis. Parce que si on regarde bien la configuration de la pièce, le mec il est balèze, sans faire de bruit, rien. On nous a suivis. Oui, bah Paris Enquête. C'est bon, il y a 2 secondes, je le suivais. Et il s'est pris une balle, il n'y a pas besoin d'enquêter pendant 10 ans, mec. Sérieux quoi. C'est pas la catastrophe. Oh, une manivelle. Il y a... Nous avons une manivelle en croix. Voilà, Barry me laisse encore en galère. Fini de rigoler en plus. C'est bon, d'un seul coup c'est infesté. C'est tranquille quand on arrivait. Maintenant c'est la fête à la maison. J'aime pas trop beaucoup ça, t'as failli me faire peur, mec. Reste tranquille. Sérieux, quoi. Alors, je sais plus d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qu'on fait. Peut-être par là. Non, je suis arrivé d'ici. Alors, peut-être plutôt que par là. J'ai trop pas la confiance. Ça, je l'avais dit. Mais non, pas dans le dos. Sauf faire ta pute. Moi la paix. Alors attends, parce que là je capte pas tout. Là je suis revenu en arrière.
Alors attends que je réfléchisse à ça. Si je suis arrivé d'ici la première fois. Ça veut dire qu'il y a forcément une porte que je n'avais pas faite. Comment se perdre? Où je vais là? Oh putain! Ah mais non, mais c'est l'autre que je veux. Attends, parce que là ça sent le danger. Ça sentait le mort en poule ça. Venez là les copains. Ah mais non, mais me fais pas ça. J'aurais touché les deux sur la première balle. Moi je dis ça bouge encore. Ça sent trop la carotte. Goutte d'eau, le bruit, c'est tout. Ah, il est mort. Alors attends, parce que là j'essaye de capter, je suis en train de me perdre. Je ne sais pas où je vais. Alors, on a une échelle. Donc, je suis arrivé d'ici. Ah, mais en fait, il y avait un truc ici. Ah, il y a une machine, mais on n'a pas de ruban. Ah, bah ouais. Si j'en avais un, moi aussi, j'aurais sauvegardé. Parce que là, j'ai joué avec le feu. Alors, bah, j'imagine que c'est là la suite. Hein. J'ai retrouvé mon chemin finalement. Ça manque un peu de coffre dans le coin. Non, je sais que je me répète, mais le mec qui a fait ça, quand même, je veux dire, c'est un psychopathe, c'est tout. Le mec, il est parti dans l'intérieur de la montagne, il a fait des murs qui se déplaçaient avec une manivelle. Il avait juste rien à faire de sa vie. Alors, ouais, la scène Indiana Jones. Et de pas se faire écraser. Il y a les porte-manteaux, pardon, à côté des portes. Mais non, mec, il ouvre les portes et tout, il vient me fumer ma gueule. Léger. J'ai dit TG. Sérieux quoi. Donne-moi la paix. Putain, il reste 14 munitions. Il me faut vraiment un coffre là quelque part. Non, va falloir que je retourne à la remise, histoire de poser tout ça. J'ai envie de dire je le sens trop pas quoi. J'aurais pu nous mettre un petit rangement là. Alors je sais pas où ça mène ça. Ça sent le mort en poule. Mais ouais, carrément. Laisse-moi. Sérieux. Il me faut un petit bazooka pour y aller vite fait. Elle est 4 fois plus grosse que les araignées que j'ai rencontrées dans la salle de la remise. Allez, on va essayer de retrouver notre chemin. Je vais monter à filer vite fait à la remise. Moi, je prends un petit bazooka avec moi.
Alors je crois que c'est l'entrée en plus ici. Mais le truc c'est que je vais pas me promener avec mes rubans jusqu'ici. En plus je suis sûr, ils m'ont mis des hunters à l'entrée de la remise. On a bien un ou deux pour me faire chier, histoire de gâcher les pales. Faut que sinon, ouais, il faut remonter tout. J'ai un doute. Deux corridors. Ouais, tant pis, ça fait un petit détour, mais... J'ai envie de dire, ce coin-là est sûr. Et trois portes à passer pour arriver à celle de la salle du coffre où on a débuté. Mais je me la prendrai pas à l'envers. Il me reste pas beaucoup de munitions. Et j'avoue que j'ai pas envie de les niquer dans l'araignée. Parce que sinon je sais pas comment je vais finir les égouts. Je sais pas s'il reste pas mal de chemin à faire ou pas. Plus on est quoi, 52 minutes de jeu. Je pense que c'est dommage parce qu'on a pas mal avancé. J'imagine qu'on doit approcher quand même de la fin des égouts. Alors c'est la porte d'après. Alors je me demande même si je vais pas arrêter ici, faire direct le final, j'en sais rien, bonne question. Parce que je sais pas où elle sera la prochaine sauvegarde. En fait, j'ai peur d'être en galère de sauvegarde. Et j'avoue que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure trop longtemps. On va poser ça. Celle-là, on va la poser. Il nous faut un bazooka. Putain, le problème c'est qu'à part la couleur, on sait pas lesquels on a. Ça, je trouve que c'est un peu galère. Alors, ça, c'est les explosives. Rouge, c'est les flammes. Et en fait, j'ai plein de balles. Il faudrait peut-être que j'en prenne. Pas me faire chier, je vais prendre celle-là. Il y a un hunter, ce qui me fait chier. Quoique, j'aurais pu prendre le piton au cas où hein, j'ai le piton pour la fin. Je dois avoir pas mal de balles. Il me faut le ruban. De toute façon, il va falloir que je fasse un petit mélange direct. Et voilà, on est bien. Et donc je pense, comme j'avais dit, hein, je vais arrêter là. Je pense que je vais garder le final complet. Je sais pas, les égouts, j'en ai pour combien de temps. Peut-être, allez, peut-être un petit quart d'heure. Après, j'imagine qu'on sort directement côté de la fontaine. Donc il n'y a carrément pas de ce côté ici. Et après, il doit rester une heure de jeu dans le laboratoire environ. Peut-être un tout petit peu plus. Au pire, je ferai une vidéo bien plus longue. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais je pense qu'on va rester sur ces 55 minutes. Je crois que c'est pas mal. Et donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre. Laissez des commentaires pour dire ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense que j'ai pas trop mal joué sur ce let's play. Il a été plutôt sympa. Les hunters ont été tranquilles avec moi, à part deux petites fois où ils ont fait un petit peu les petits traîtres. Mais ça s'est plutôt pas mal passé, on avance bien.
même si ça, je trouve ça un tout petit peu long. Mais disons qu'avec les coupures, les sauvegardes, etc., comme je ne les fais pas d'une traite, je préfère un peu découper de façon intelligente. Et comme il n'y a pas les saves automatiques, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose de trop long non plus. Je voudrais éviter, au pire seulement pour le final. Et donc comme toujours, vous pouvez venir me voir sur Twitch, sur Twitter, faire un coucou. Et donc vous abonner avec DarkMiss91. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.